Salut à toi. Bonjour. Tu n'es sans doute pas resté les bras croisés. Je t'en prie, regarde. Rien d'autre? Peux-tu améliorer ceci? Voilà ce que je possède. Tu en as vu assez? Remarquable. Je te remercie. À une autre fois. Me voici. Tu es prêt, Basim? Car nous attend. Je suis prêt. Allons-y. Suis-moi. Avais-tu déjà pensé que tu reviendrais ici, à Kar? Non. J'ai passé une bonne part de mon enfance dans ces rues. À me faire des amis parmi les rats et les cafards. Certains souvenirs sont agréables, la plupart amers. Les souvenirs ne font que nous distraire. L'Ordre a étendu son influence jusqu'à chaque craquelure de la ville pour faire de Bagdad son domaine. Cela va changer. Nous portons une lourde responsabilité. Le fléau de l'Ordre règne sur Kar. Et nous sommes les seuls à pouvoir l'en libérer. Maître, comment Rebecca s'adapte-t-elle à Kar? Elle n'aime pas la politique. Mais elle sait où est son devoir. Kar réclame une accoutumance. Les crocs en jambes en affaires. L'obsession pour l'argent. Les parfums. Les gens d'ici sont heureux de se perdre dans un paradis personnel. Un paradis que seuls peuvent s'offrir les riches. Des riches, trop souvent corrompus. Bien, nous y sommes presque. Te revoici, Akar. L'air est toujours chargé d'épices. Qu'as-tu ressenti la première fois que tu as pris une vie? Je m'en souviens à peine. C'était un homme que je connaissais bien. Avant tout cela.
avant ce qu'on ne voit pas. Tu ne t'en rappelles même pas ? Mes souvenirs sont enterrés avec lui. J'ai refusé de me laisser hanter par sa mort. Son souffle m'a assez hanté de son vivant. Je ne me laisserai pas définir par le passé, Basim. C'est pour cela que je me considère comme la fille de personne. Si nous ne maîtrisons pas la tempête qui est en nous lorsque nous sommes éveillés, elle envahit nos rêves. Un peu comme toi, avec ton djinn. Bon, voici le souk. Comme l'a dit Rebecca, des gardes sont venus récemment. Ils ont cassé des bouteilles et ventré des caisses. Pourquoi ont-ils agi ainsi ? Tâchons de l'apprendre. Ils s'empareraient aussi de marchandises étrangères. Surtout des marchandises venues de l'Est. La voie de l'Est, dis-tu ? Je pense connaître quelqu'un qui peut nous aider. Cela fait longtemps, mais il est peut-être encore là. J'aurai grand plaisir à le revoir. Ne laisse pas la nostalgie embrumer la réalité, Basim. Aucun risque. Je sais bien que tout est amené à changer. Cela fait longtemps. Je me demande ce qui a pu changer par ici. Je pourrais commencer par rendre visite à un vieil ami. Alors, que vois-tu ? إنه أفضل سعر لدي. Dès la fois où les tu sais, je crois que les Eunuques préparent quelque chose. Depuis le début des troubles, ils sont devenus très secrets. Je pense que Sadik fait exprès de m'éviter. Si seulement je pouvais atteindre cette maudite sangle, elle me démange. C'est une horreur. Il faudra que je mette une étoffe en dessous. Je vais aller chasser avec Jawad. Je peux venir aussi. كيف قدول؟
elle est morte, la pauvre. Elle aurait d'ailleurs mieux fait de payer la première fois qu'ils l'ont menacée. On pouvait la comprendre. Moi, je m'en sors à peine avec ce nouvel impôt sur nos échoppes. Pas facile, les affaires. Tout est brisé, détruit. Ces gardes, ils sont vraiment sans pitié. Tout cela n'est rien. Sais-tu seulement ce qu'ils font à la marchande de parfums? Elles viennent de très loin. C'est bien trop long. On m'attend ailleurs. Et cela vaut à peine les maigres pièces qu'on me paye. Coupe-lui un doigt, tu vas voir. Ça va peut-être l'aider à ouvrir sa bourse. Va te rendre aux courses de chameaux, toi? Non, parce que j'ai un ami qui vit près du quartier. La sécurité, ça se paie. Tout le monde le sait. On peut aussi prendre tes parfums en paiement. Assalamu alaikum. Ça ne te regarde pas. Va-t'en. Je ne fais que regarder. Regarde ailleurs. J'ai enfin entendu chanter Harib. Elle a chanté pour tu es déjà allé chez Abdullah. Ça te plairait là-bas. Il y a de belles terres près de la route de Koufa. Des palmiers pour l'ombre. Narissa tout près pour l'eau. Mais la maison a besoin de travaux. Aide-moi! Je t'en supplie! J'entends ça. Non? Moi non plus. Je vais aller chasser avec Jawad. Je peux venir aussi si tu veux, avec plaisir. Il doit dresser un nouveau faucon pour le sahib. Divinité. Il vient de tuer. Et merci. Fuyez, vite. Il faut que je parte d'ici. Bon, dis-moi, pour quelle raison les gardes t'ont-ils agressé? Je n'ai rien fait. Je manquais simplement d'argent. Les affaires sont les affaires, mais je n'ai pas de quoi acquitter leur impôt. Tu as donc du mal à vendre tes marchandises? Non, mais ils ont récemment augmenté la somme qu'ils me réclament. C'est bien là le problème. Pas seulement pour toi, j'imagine, mais aussi pour d'autres. Surtout pour ceux qui, comme nous, viennent d'ailleurs, ou n'ont pas les mêmes croyances. Ma foi, car n'est pas un endroit facile. Une de mes cargaisons a du retard. Je crains que mes bêtes et mes marchandises aient été saisies par les gardes. Elles auraient dû arriver avec des marchands qui se rendent au Dahirat al-Mal. Si tu veux me rendre service, l'ami, tâche de les trouver pour moi. Entendu. Il devrait être sur la route qui mène à la porte sud de Bagdad. Je sais. Je pourrais les rattraper au point d'eau sur la route du sud. Merci à toi, Saïdi. La route qui se trouve au sud de Bagdad, a-t-elle dit. Voyons si je peux trouver ces marchands égarés. Oh, oh, un meurtrier. Oh mon Dieu. Il faut que je file d'ici. Ahoy, Yavosh Kodan. Anta, Kof. Hassanem, Daniel.
Mensonge! Tu as remis ma caisse. Quelles sont les infusions que tu proposes aujourd'hui, Kong? Aucune, tant que Lucas ne m'aura pas rapporté ma caisse. Mais si tu veux acheter du thé, je sais quoi te recommander. Kong, c'est moi, Basim. Hein? Nisusea? Qui? Basim. Ah, je suis loin d'être un idiot. Tout le monde prétend être quelqu'un que je connais. Alors réponds, quel thé est mon Basim? Au gingembre, avec du curcuma. Faux! Basim n'aime pas le thé. Basim, petit pinson, regarde ce que tu es devenu. Allez, viens, viens, suis-moi à mon échoppe, loin de cet homme horrible. Oh. Alors, petit pinson, qu'as-tu fait de ta vie, hein? Toutes ces années. J'étais ici et là. J'ai dû quitter Bagdad quelque temps. Ah, la jeunesse. Et toi, Kong? Qu'as-tu donc fait pendant toutes ces années? Ce que je sais faire de mieux. De l'argent. Même si ça devient difficile ces temps-ci. Les gardes sont sur les nerfs. Et cet horrible marchand grec me met en difficulté dès qu'il en trouve l'occasion. Mes pauvres vieux os sentent bien qu'il veut me faire crever de faim. Ou pire encore, renoncer aux affaires. Ah, mais tu es là, petit pinson. Tu te souviens du fameux duo que nous formions? Que dirais-tu d'aider un vieil ami en souvenir du passé? Ah, comme autrefois, oui. Mais ensuite, il faudra qu'on discute. J'ai moi aussi besoin de quelque chose. Bien sûr. Dès que tu auras récupéré la caisse de Bellefeuille qu'on m'a confisquée. Elle doit être là-bas, où sont les gardes. Allez, va. Bien. Mais j'aurai quelque chose à te demander ensuite. Oui, oui, bien sûr. Offre-nous une meilleure vue, mon ami. Tu n'as rien à faire dans les environs. هذا ليس صحيحا ببساطة. Ah, ce qu'elle pue cette armure. طرف الإهليج الخارجي هكذا يمكن
يمكننا تقريبا تحقيق القاعدة الذهبية والإثبات أن المنطق الضمني صحيح يلزمنا قياس كل خطوة مرتين وتوثيقها بصورة منهجية. إن به نقلة عن علم وظائف الأعضاء مرتبطة بما أعمل عليه حاليا، لكني لا أستطيع تذكر جميع n'est pas le bienvenu. File. Ça ne sera plus très long. Hey. Une minute. Donne-moi la force. Rends-moi toi. Chien, ça va être le gourou de Dieu. Ici. Tu viens avec moi. Chercher partout. Toi. À l'aide! Quelqu'un vient d'être tué! Ce doit être la caisse de feuilles de thé appartenant à Kong.
Cette caisse a l'air d'être toujours intacte. Kong sera content. N'abandonne pas ta ville bien-aimée. Examine les lieux, Enkidu. Abattez-moi ça! Tueur sans pitié! Dégonflé, oui! Je déteste quand il m'échappe. Thank you.
احذر ايها السيد، انت كبير وانا صغيرة. دقيقة يلتزمون بها لئلا يخلوا بالدقة. الخزاف الذي عند النحيس يشتري. Les gardes vont se montrer vigilants. Rebecca, tu as un peu de temps? J'ai quelques questions. Je t'en prie. Dis-moi, que sais-tu d'autre sur le Daïra Talmal? C'est une occasion aménagée avec soin, permettant aux riches de se pavaner. Ce genre de choses se produit souvent par ici? Si l'on en croit les marchands locaux, une fois par an. Mais je suis sûr que les riches ne manquent pas d'occasion de faire la fête. Quoi d'autre? Qu'as-tu appris sur Karh? J'aimerais disposer d'un regard neuf. Rien que je ne sache déjà. Corruption, pauvreté... Mais le souk, lui, est très animé. Les épices, les matériaux, et oh, les outils. Tant de choses dont j'aimerais me servir. En aurais-tu déjà assez de ton travail? Oh, arrête, veux-tu. Je sais ce que j'ai à faire. Quoi d'autre? Tu sais tant de choses sur moi et l'endroit d'où je viens. Mais, et toi, Rebecca? Depuis quand veux-tu en savoir davantage sur moi? Allons, nous sommes du même côté. Il est toujours utile de connaître celles et ceux avec qui on travaille. Eh bien, je ne suis pas d'ici, mais disons que mes parents n'auraient pas déparé à un événement comme les grandes enchères. Tu es donc née riche? Honteusement riche. Enfant, je n'ai jamais aimé la para, les soieries et le maniérisme. Je trouvais cela étouffant. En franchissant les portes de notre demeure et ayant découvert à quoi ressemble vraiment le monde, tout a changé. J'ai tout laissé derrière moi. Quoi d'autre? Je n'ai plus de questions. Shukran, Rebecca. Tendez l'oreille, voyageurs et visiteurs.
Le calife est ravi de vous accueillir dans la ville de Bagdad. Vous trouverez au bazar les délices les plus exquis, des marchands exotiques fraîchement armés. Mieux vaut se faire tout petit. Je vais en prendre une autre. Après tout, Kong ne verra certainement pas la différence. Je t'apprendrai ma fin de l'épaule. Ça marche à tous les coups. Je ne sais pas combien de fois elle m'a sauvé. Et elle m'a permis de tuer le chef de la garde de Khorramdin en 23. Mieux vaut rester discret. موسم التجارة في انتظاركم اليوم فقط كل شيء بنصف الثمن حتى بأسعار الأسواق الأربعة mes feuilles félicitations petit pinson où dois-je la poser approche pose-la ici Qu'est-ce que tu fais ? Cette caisse ne doit pas aller là. Ramasse-la. Qu'est-ce que tu fais ? Cette caisse ne doit pas aller là. Ramasse-la. Bassim a une fois de plus réussi. Merci beaucoup, petit pinson. Quelle est sa provenance ? Les Indes ? Non, cette caisse vient de Chine. C'est à Dali, chez moi, qu'on trouve les meilleures feuilles. Mais j'en fais aussi venir des Indes. Et même de Perse. Te voilà bien important, Kong. Car, et ensuite le monde. Je vends désormais mes marchandises aux grandes enchères. Tu en as entendu parler ?
Le Da'irat al-Mal. Ouais, j'essaie d'y entrer. Et pourquoi ? Dans quel genre d'affaires es-tu, petit pinson ? Associe-toi plutôt avec moi, on travaillait si bien ensemble. Mon genre d'affaires, comme tu dis, te vaudrait de gros ennuis. Penses-tu pouvoir m'aider à accéder au Da'irat al-Mal ? Ah, je te reconnais bien, mon Bassim, toujours aussi secret. Mais pas de bêtises, hein ? Car est beaucoup plus dangereux aujourd'hui que jadis. Les enchères sont très fermées. Il n'est pas facile d'y entrer. Mais je peux t'y aider, petit pinson. Si d'abord tu satisfais une requête. Tu vois là, l'accès est bloqué. Les gardes arrêtent tout ce qui arrive par la route ou par le fleuve. C'est à croire qu'ils tiennent leurs ordres de quelqu'un de plus haut placé. Ils ne se laissent même plus graisser la patte. Ils doivent chercher quelque chose. Un objet, ou... Je n'ai aucune idée de ce qu'ils cherchent. Tout ce que je sais, c'est qu'ils nuisent à mes affaires. Je ne vends plus que de la tisane insipide, maintenant. On dit qu'ils conservent les marchandises dans l'entrepôt du capitaine du port, quelque part à l'est d'ici. Laisse-moi deviner. Si je t'aide à récupérer tes marchandises, tu m'aideras à accéder aux enchères. L'entrepôt est décoré de bannières, près de quelques grues. Mes marchandises en échange de l'entrée aux enchères. Un marché on ne peut plus raisonnable, non ? Un marché conclu, oui. Et toi, l'ami de Kong, je pense avoir quelque chose qui pourrait t'intéresser. Approche. En quoi puis-je t'aider ? Il est plutôt question de ce que je peux faire pour toi. Kong t'aurait-il demandé d'entrer dans un entrepôt ? Dis simplement ce que tu as à me dire. Ce Kong, toujours à tenter sa chance. Eh bien, sa chance lui sourit aujourd'hui. Car je sais où est cet entrepôt. Je ne demande en échange qu'un maigre paiement. Je vais y réfléchir. Je suis ici si tu changes d'avis.